Est-ce que tu peux citer des exemples, peut-être, que bah, les dernières années, décennies, les musulmans apportaient à la France? Qu'est-ce que, quelque chose de positif, peut-être, je ne sais pas, des choses positives pour qu'on puisse en parler. Ils travaillent, les musulmans. Ils travaillent, ils font des boulots difficiles, la plupart d'entre eux. Depuis donc c'est pour ces dernières décennies, avant que le chômage ne devienne un chômage de masse. Hein, les musulmans sont arrivés, pour ceux qui sont arrivés en France pour travailler, et ils ont fait les boulots les plus difficiles. Ensuite, la société s'est transformée, on est passé au tertiaire. Mais autre chose de positif, la Coupe du Monde, qui c'est qui l'a apporté? C'est un monsieur qui s'appelle Zinedine Zidane, dont les parents viennent d'Algérie. Hein, Zinedine Zidane, il est d'origine algérienne, il est d'origine musulmane. Des choses positives, mais il n'y a que ça, des choses positives. Il n'y a que ça, des choses positives. Le plat préféré des Français, tout le monde le sait, c'est le couscous. Est-ce qu'on va priver les Français de couscous? Interdire le couscous en France? C'est ça qu'on veut? Alors, comment? Des choses positives. Il n'y a que ça, des choses positives. Mais elles sont là depuis toujours. Elles sont là depuis toujours. C'est juste qu'on, à force de pointer et de donner le micro pour qu'ils parlent fort à ces gens-là, eh bien, on finit par croire que... Parce que les choses positives, elles ne parlent pas. Elles sont là. Pas besoin de publicité. Elles sont là. Elles sont dans la vie quotidienne. Et c'est parce qu'elles sont là qu'on continue de faire et d'exister, etc., etc. Privez les Français de couscous et vous allez voir. Vous allez voir ce que... Là, vous aurez une vraie révolution. Ну, сказал, что они, во-первых, работают, потому что часто не работают, а как они все проезжают, они все работают, во-вторых, ребенка отпустила, и кускус. Ну, это перемешивает все. Да, да. И он сказал, заберите у французов кускус, вы получите настоящую революцию.